dit aux autres qu'ils ne le crièrent pas non plus. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le miracle qui accompagnera ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Le Seigneur, après les avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous venons de lire les Saintes Écritures. En ces jours mémoriels de ta résurrection, nous t'appelons, Seigneur, d'être présent parmi nous, Père. Lorsque toi, le Dieu puissant, le Dieu de la puissance de la résurrection, que tu puisses réellement te glorifier et te manifester au milieu de nous ce matin, Père. Tu es le sang d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, que l'honneur et la gloire te reviennent pour tous tes bienfaits. Seigneur Dieu puissant, notre Père, maintenant que nous venons de lire les Saintes Écritures, nous te prions de descendre au milieu de nous et que tu puisses nous parler, Seigneur. Lorsque ta présence envahit cet auditoire, selon qu'il est écrit, Dieu de gloire tout-puissant, là où deux ou trois seront réunis à mon Seigneur, je serai au milieu d'eux. Dieu de gloire, Dieu puissant, nous t'invitons, nous t'appelons parmi nous, Seigneur, selon qu'il est écrit dans l'Apocalypse, que l'Esprit et l'Épouse disent ensemble, viens. Viens, Seigneur, viens rehausser de ta présence au milieu de nos pères et manifeste-toi que tu es le ressuscité. Bénis la présence de tes enfants, parle-nous, Seigneur, et donne-nous une attention soutenue. Sois l'alpha et l'oméga, tout pour la gloire de ton Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, que le Seigneur bénisse votre présence dans sa maison. Ce matin, nous allons partager sur un message sur la Pâque. Je vais intituler mon message « Allez dire ». Nous savons que tout le monde sont en train de célébrer aujourd'hui la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que le prophète nous dit que la Pâque était célébrée dans la période des épis. Ce qui correspond au mois d'avril. Dans le mois, la période des épis que Israël célébrait dans cette période-là, la Pâque. Et pour nous, ça correspond au mois d'avril. Et vous devez aussi savoir une chose, qu'on ne prenait pas la Pâque n'importe où, mais dans l'endroit où Dieu avait choisi et placé son nom. C'est ce que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 16. Si vous pouvez lire, commençant au premier verset jusqu'au verset 6, vous trouverez que c'était pendant la période des épis. Les enfants d'Israël prenaient la Pâque. Et ils ne la prenaient pas n'importe où. Mais ils prenaient cette Pâque-là à l'endroit où le Seigneur lui-même avait choisi. Et nous aussi aujourd'hui, nous la prenons là où le Seigneur a choisi ou placé son nom. Et vous savez tous qu'il a placé son nom en son Fils Jésus. C'est pourquoi nous disons que
Jésus est notre agneau pourvu. Vous savez, quand Adam était tombé, il y a eu un agneau qui a été pourvu pour lui. C'est parce que le souffle de l'Éternel était dans les narines d'Adam. C'est pourquoi le Seigneur avait pourvu à un agneau. Et nous sommes les enfants d'Adam. Le Seigneur devrait pourvoir à un agneau pour nous. Il ne pouvait pas nous laisser tomber et mourir dans le péché. Non, parce que nous avons reçu le souffle de Dieu. Si et vous remarquerez que ce que Dieu avait fait dans le jardin d'Eden, Jésus l'a répété même avec ses disciples. Il avait soufflé sur eux. Et leur a dû recevoir le Saint-Esprit. Et une fois que la personne reçoit le souffle de l'Éternel, il doit y avoir un agneau qui est pourvu pour cette personne. Parce que Dieu ne peut pas permettre que son enfant meure et qu'il soit perdu. Que vous savez que la loi de la reproduction exige que chaque semence se reproduise selon son espèce. Amen. Amina. Je suis dans le message, les noms blasphématoires. Paragraphe 164. Je descends à 169. Il était un type. Adam est tombé. Alors l'agneau a été pourvu pour Adam. Parce que le souffle de l'Éternel, Dieu était déjà venu dans ses narines. Et il est devenu une âme vivante. Il était un fils de Dieu. Par son souffle. Comme les mots africains. Je ne connais pas les mots grecs là. Mais les mots africains qu'ils utilisent est Amoya, ce qui signifie le vent. Une force invisible. Les animaux respirent par Amoya. Le pêcheur respire par Amoya. Alors pourquoi nous littérions-nous pour la vie éternelle? Si c'est l'âme éternelle qui a été soufflée en nous par un souffle, pourquoi littérions-nous pour la vie éternelle? Cela donne un retour de flamme, frère. Cela ne peut tout simplement pas le faire. Mais Dieu, spécialement sur Adam, soufflant le souffle de la vie éternelle, et il devient une personne éternelle avec Dieu. Il avait la puissance comme Dieu. C'était un Dieu amateur. Il était le Dieu de la terre, pas le Dieu du ciel. C'est là le Dieu de la terre. Et un jour, le Fils de Dieu redeviendra des dieux. Jésus l'a dit. N'est-il pas écrit dans votre loi? Vous êtes des dieux. Alors si vous pouvez appeler Dieu ce qu'il a appelé, que Dieu a visité, comment pouvez-vous me condamner? Dire quand je dis que je suis le Fils de Dieu. Voyez, bien, nous allons entrer dans quelque chose de profond. Et regardez ceci, alors que nous l'enfonçons. Et bien, le voici, il est maintenant un Fils de Dieu. Mais il fait une faute. Il sait qu'il fait une faute. Mais rappelez-vous, Adam n'a pas été séduit. La Bible le dit dans 1 Timothée 3. Adam ne fut pas séduit, mais la femme fut celle séduite. Elle était dans la transgression. Et
parce que c'était sa femme. Adam, de même que Christ n'a pas été séduit par Satan, mais a marché dans la mort avec l'épouse. Il est parti pour être avec l'épouse afin qu'il puisse racheter l'église. Adam savait qu'il avait tort. Adam, donc il est simplement allé vers Ève. Mais il y avait un agneau pourvu pour eux, pour qu'il puisse être racheté. Et ces agneaux aujourd'hui, qui étaient connus d'avance de Dieu et que Dieu a appelé, il y a un rédempteur. Il ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Et donc il y a un agneau pour vider la fondation du monde, là où leurs noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau. Un agneau a été pourvu pour ouvrir un chemin de grâce pour que chacun d'eux aille dans la résurrection. Un agneau pourvu, l'agneau d'Adam. Et Jésus est notre agneau. Il ne pouvait pas nous laisser mourir dans le péché. C'est la raison pour laquelle de le jardin d'Eden, Dieu avait déjà promis que le libérateur viendra. Et lui, en tant que notre libérateur, il devait naître hors du péché adamique. Parce que celui qui libère de la prison doit être en dehors de la prison. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas naître par le croisement de l'homme et la femme. Et vous remarquerez que le Saint-Esprit a couvert Marie. Et Marie a conçu. Quoi? Parce que l'enfant qui devait naître de lui devrait être un libérateur. C'est pourquoi Moïse, comprenant que tout ce qu'il était en train de faire n'était que le type de l'ombre des choses qui devaient arriver, il dit aux enfants d'Israël que votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et ce prophète-là devrait être un libérateur. C'est pourquoi pour nous les enfants de Dieu, nous devons savoir une chose, que la Pâque représente notre libération. Et chaque fois que nous célébrons la Pâque, vous devez savoir que vous n'êtes plus en prison. Vous devez savoir que vous n'êtes pas un esclave du diable. Mais le Seigneur a déjà payé le prix. Il nous a délivrés. Il nous a libérés. Et chacun de nous doit accepter cette grâce-là. Amen. Amina. La Pâque représente notre libération. C'est pourquoi quand Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de célébrer la Pâque, c'était pour que les enfants d'Israël n'oublient jamais ce que Dieu avait fait pour eux en Égypte. C'est pourquoi ils se référaient toujours là-bas. Parce qu'ils savaient que leur Dieu leur avait accordé la délivrance. Je suis dans le message, qui est celui-ci? Prêchez le 5, le 10-5-59. Le paragraphe 10, je descends à 16. Il dit, il y avait une grande foule autour des portes. Et les rues étaient bondées. Les gens n'avaient même pas de place où dormir. Ils étaient couchés en dehors des murs, partout par terre, parce que c'était Pâque. Et les gens étaient venus du monde entier. C'est lui connu à l'époque pour aller
Et ils observaient cela chaque année. Chaque année, on célébrait cette grande Pâque. Et c'était l'un des moments les plus remarquables. Plutôt des événements de la religion juive. Parce que cela représentait le moment de leur libération. Tous aimaient s'en souvenir. Se souvenir du moment de leur libération. Comme chacun de nous peut ce matin se souvenir du moment où nous avons été libérés. Amen. Est-ce que chacun peut se souvenir ce matin du moment où il a été libéré? Il dit ce que cela représente pour nous. Il dit, je peux me souvenir de ma propre expérience. Comment mon pauvre cœur de jeune garçon languissait de rencontrer Dieu. Et je me disais, si seulement je peux monter, frapper à sa porte et lui parler un instant. Évidemment, vous connaissez mon histoire. J'ai pris du papier et un crayon et je me suis mis à lui écrire une lettre. Comme je n'arrivais pas à lui parler et je savais qu'il habitait dans le bois parce que je l'avais entendu et je l'avais vu se mouvoir dans le bois, un ancien sentier familier que j'empruntais quand je passais. Quand je chassais ou que j'allais à la pêche, je me disais que j'allais coller cette terre, que j'allais coller cette lettre sur un arbre et l'adresser à Monsieur Jésus. Juste une façon ou une autre d'ôter ce fardeau de mon cœur. Et ce soir-là, je peux oublier mon âge. Je peux même des fois oublier mon nom. Mais je ne peux jamais oublier cette terre-là où il m'a délivré du péché. Quelque chose s'est passé au fin fond de moi. Et cela m'a aidé en des heures difficiles et sombres. L'heure de ma délivrance. Le fardeau du péché m'a quitté. J'étais devenu une nouvelle personne. Je suis devenu une nouvelle créature en Christ Jésus. Depuis lors. Amen. Et quand nous célébrons la Pâque, nous ne devons pas la célébrer comme toutes les païens. Parce que c'est partout où les gens célèbrent. Il y a les autres qui la célèbrent même dans des bars. En train de prendre leur bière. Aujourd'hui c'est la Pâque. La Pâque ne signifie pas la continuité du péché. Mais la Pâque signifie une délivrance totale et parfaite. Et la personne qui a été délivrée par le Seigneur, cette personne ne pêche plus. C'est-à-dire la vie du péché s'est déjà arrêtée. Parce que ce qu'on ne pouvait pas faire de nous-mêmes, Christ l'a fait à notre place. Et frère Madame dit alors, ces Juifs montaient chaque année. Il y avait une fontaine à l'intérieur de l'église. Et ils prenaient du pain, des herbes amères, l'agneau. Et ils buvaient à ces fontaines dans l'église. Ils se réjouissaient ensemble parce que Dieu leur avait témoigné une faveur. Donc c'était le temps de Pâque. Et non seulement c'était la Pâque, mais c'était une Pâque spéciale. Vous savez, parfois nous allons à l'église et nous aimons toujours y aller. Mais des fois il se passe quelque chose de spécial. Et celui-ci était l'une de ces occasions-là. L'heure était chargée.
expectative. Comme c'était le cas aujourd'hui, les yeux de tous ces gens qui l'aimaient veiller pour le voir apparaître à la porte. Et je pense qu'à beaucoup d'égards, il dit c'est pareil aujourd'hui. Car ceux qui l'aiment l'attendent, l'heure est chargée d'expectatives. Alors que nous vivons en ces jours où la terre en réalité est devenue une grosse poudrière, et la science nous dit qu'il est minuit moins 3, et je suis sûr que comme moi vous avez lu cela l'autre jour, l'histoire de ce général de l'armée, il disait que s'il y avait une autre guerre, elle ne durera que 2 ou 3 minutes. La vieille époque où on se battait, on se tirait des coups de feu, on creusait des tranchées pour des tirailleurs, et révolue. On soutient que la prochaine guerre ne durera que 2 ou 3 minutes. Un jour, quelqu'un de sensé fera s'envoler le capuchon de l'une de ces bombes et la fera exploser. Et alors nous avons des postes d'écoute partout pour répliquer par des coups de feu. Le monde ne pourra simplement pas survivre à cela. C'est pourquoi, amis pêcheurs, il est temps de donner vos âmes à Jésus-Christ. Parce que vous devez savoir qu'il est plus tard que nous le pensons. Parce que quand vous regardez tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vous comprendrez qu'il n'y a plus assez de temps. C'est le temps pour nous de nous approcher beaucoup plus du Seigneur. Et nos âmes doivent être en contact avec lui. Et chaque fois que nous célébrons la Pâque, ça doit être un examen de conscience pour chacun de nous. Et la Pâque ne doit pas seulement être quelque chose que nous célébrons le mois d'avril, non, mais chaque jour il doit y avoir la résurrection de Jésus en nous. Et nous devons contrôler notre caractère. Aujourd'hui, le monde est tellement agité. Les gens sont en train de courir de gauche à droite. On ne sait pas à quoi se fier. Et vous verrez que c'est tout le monde qui a peur. Et vous devez savoir, il reste très peu de temps. Amen. Amina. C'est pourquoi nous devons réellement nous approcher de notre Seigneur et savoir que la Pâque, c'est notre libération. Et quand vous voyez la Pâque, c'est-à-dire les jours du péché sont déjà terminés. C'est pourquoi les prophéties dans le message de Dieu Vierge, paragraphe 311, il dit que c'est là, point point, il ne faut pas que vous, point point, vous voyez la trompette a sonné. Il peut donc partir libre. C'est la grâce de Dieu, c'est l'année du jubilé, l'achèvement. Le jour du péché est terminé, frère. Il dit, je déclare à tous ceux qui sont au service du péché, à tous ceux qui sont au service du péché, le jour du péché est terminé. Jésus est mort. Vous n'avez plus à servir le péché. Vous n'avez plus besoin de vous plier à des credos et déterminations. C'est lui que le Fils a affranchi est réellement libre. Si vous voulez partir libre et être libre dans le Fils,
choses. Et servez-les. Allez-y. Et il dit amen. Amina. Le jour du péché est terminé. Amen. Amina. C'est terminé quand? Quand Jésus est mort. Quand Jésus est allé quand dans la tombe. C'était la fin du jour du péché. Donc vous n'avez pas le droit d'être au service du péché. Le temps du péché est terminé. Et c'est le temps maintenant pour vous de vous accrocher au Seigneur. Amen. Parce que ce que Dieu dit, il le fait réellement. Et il accomplit toujours sa parole. Amen. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un amenait un agneau, on dit l'agneau devait être gardé pendant 14 jours. Le frère Banham dit, cela représentait les deux âges. Il dit l'un pour les Juifs et l'autre pour les nations qui ont le véritable agneau. Parce que quand les Juifs faisaient cela, en amenant un agneau, ils étaient en train de croire dans la venue du vrai agneau. Et frère Banham dit que c'est ceux qui ont le vrai agneau, ce sont nous les gens. Amen. Parce que vous devez savoir une chose, que Jésus-Christ ne pouvait pas ressusciter les jours de sabbat. Il devait ressusciter le lendemain du sabbat. Mais pourquoi Jésus devrait ressusciter le lendemain? Parce qu'il était la gerbe agitée. Et Jésus, Dieu lui-même avait parlé au travers de Moïse. Il avait dit aux enfants d'Israël que quand vous serez dans la terre que votre Dieu vous donnera et que vous allez planter, prenez les prémices de vos champs, amenez cela au sacrificateur. Et le sacrificateur ne devrait pas agiter le gerbe le jour de sabbat. Mais il devait les agiter le lendemain du sabbat. Pourquoi? Parce que quand la gerbe est agitée, après ce moment-là, la gerbe devient le pain. Malimbuko inakuya mkate. Amen. Amina. C'est pourquoi Jésus pouvait regarder les Juifs et leur dire vos pères au mangeur de la main, ils sont tous morts. Moi je suis le pain de vie. Niko ile mkate qui est descendu du ciel, et celui qui mangera ce pain, takula il ne mourra jamais. Et pour avoir la vie, il faut manger le pain qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, là où se trouve le corps, là s'assembleront les êtres. Et aujourd'hui, le corps du Fils de l'homme est dans le message de l'air. C'est pourquoi quand nous venons au message, nous mangeons de la chair du Fils de l'homme. Et c'est ça qui nous donne la vie, c'est ça qui nous donne la force. Amen. Amina. Ces gerbes-là n'étaient pas jetées, ça devenait du pain. C'est ce que le prophète dit dans question réponse numéro 1 de 64. Si vous pouvez lire dans le paragraphe 204, 205, il dit après ce moment-là, le gerbe devenait du pain et les gens devraient manger. C'est pourquoi quand les gens suivaient Jésus, ils ne comprenaient pas son langage. À un moment, il pouvait leur dire,
devait manger la chair du fils de l'homme. Il dit, mais Moïse nous a dit que nous ne pouvons pas manger la chair d'un homme. Il veut nous faire des cannibales. Comment on peut boire ton sang? Et il leur disait que si vous ne prenez pas ce sang, vous n'aurez pas la vie. Amen. Amen. Et vous devez savoir que la vie est en Jésus. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Amen. Amen. Mais le Jésus-là se révèle dans chaque âge selon la portion de la parole qu'il avait donné à cet âge. Amen. 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 Et chacun est sauvé selon les messages de son âge. Na kila mtu yuko na okolewa kulingana na ujumbe wa kizazi yake. Vous ne pouvez pas être sauvé avec le message de Moïse aujourd'hui. Hauwezi kuokoka na ujumbe ya Musa leo. Parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas la mer rouge. Wani leo atuna na bahari mwekunda. Nous n'avons pas le désert. Atuna na jangwa. Nous n'avons pas un pharaon. Atuna na faraoni. Est-ce que vous m'entendez bien? Eti na nyelewa mzuri. Amen. Amina. C'est pourquoi aujourd'hui, leo, si vous voulez recevoir la vie, uzima, la véritable délivrance est née dans le message de l'heure. Ya ujumbe ya wakati. Parce que nous vivons dans l'âge de la pierre de fer. Le Christ qui était mort. Aujourd'hui, leo, nous avons la preuve de sa résurrection. Ya ile ufufuko yake. Et nous l'avons vu aujourd'hui. Tulimuona leo, vivant au milieu de nous. Mwenye muzima katikati yetu. Parlant. Mukusema, guérissant. Mukuponesha, délivrant. Mukomboa, et donnant la vie. Na mukuleta uzima. Amen. Amina. C'est pourquoi manger la chair du fils de l'homme. Kuleni ile mwili ya ule mwana wa mtu. Amen. Amina. Amen. Amina. Et la chair du fils de l'homme aujourd'hui. Na mwili ya ule mwana wa mtu leo. Le message de l'heure. Jo ujumbe ya wakati. Et quand vous mangez cela, wakati unakula ile ujumbe, ça vous délivre. Inakukomboa. Ça vous change. Inakubadilisha. Ça vous donne la vie. Inakupa uzima. Ça vous donne la joie. Inakupa furaha. Ça vous donne la victoire. Inakupa ushindi. Amen. Amina. Ça détruit. Inaharibu. Le serpent ancien. Ule nyoka wa zamani. C'est pourquoi personne kwa maana kuna ne mutu peut croire ce message. Ule anaweza kuamini hii ujumbe. Véritablement. Ya kweri kweri. Et reste le même. Nakubakia sawa sawa. Non, ça c'est un message. Hii ni ujumbe. Ile ndani mwayo. La puissance. Muko uwezo. De transformation. Ya mabadiriko. C'est pourquoi vous verrez. Ni kwa maana utaona. Et quand quelqu'un reçoit le message. Wakati mtu anapokea ujumbe. Il devient transformé. Anabadirika. Amen. Amina. Parce que Dieu lui-même. Kwani Mungu ye peke. Vous verrez que la Bible dit. Utaona kwamba Biblia inasema. Après la résurrection. Kisha ufufuko. Il est apparu à quelques-uns d'entre eux. Alionekana kwa wachache katikati yao. Dans une autre forme. Umbo ingine. Amen. Amina. C'est un Dieu qui change de ni forme. Mungu ule unabadilisha kasula. C'est pourquoi à la montagne. Ni kwa maana kumulima. La transfiguration. Ya kubadilisha kwa sura. Le visage. Sura. A été changé. Ilibadilikaka. Et ce Dieu là. Na ule Mungu ule. Il apparaît toujours. Anaonekanaka kila mara. Dans des formes. Numa sura. Différentes. Ya kuachana. C'est pourquoi les prophètes ni kwa maana nabii anasema. Dieu n'a jamais quitté la terre. Mungu acha ondokaka pa dunia. Il a toujours été sur la terre. Kila mara yuko pa budongo. Mais dans des formes différentes. Sura ya kuachana. Est-ce que vous le croyez? Et tu ne amini? Laissez-moi vous dire. Ungeachilia nikueleze. Si vous croyez asema, ce message. Kama unaamini hii ujumbe. Vous aurez la vie éternelle. Utapata uzima ya milele. Un message. Ni ujumbe. Qui a ta neno. Yenye ndani mwayo. Pouvoir muko la ile uwezo. De translation. Ya kubadilika. Amen. Amina. Et quand vous le croyez. Na wakati unaamini. Vous allez commencer à aller à sa rencontre. Utaanza kwenda kukutanishana naye. Amen. Amina. Que le prophète dit. Nabii anasema. Que le cri que Jean avait écouté. Asema lalamiko ile Yohana alisikiaka. Monte ici. Asema pana huku. L'église peut l'écouter à n'importe quel moment. Kanisa naweza kuisikia muwakati yoyote. Pourquoi laissez-moi vous dire. Ni kwa maana unyachilie nikueleze. Je ne suis pas venu vous annoncer celui qui est mort. Sikukuwe kukutangazia ule alikufuaka. Mais je
ule arisha kuya. Amen. Amina. Allez dire à mes disciples. Endeni mkaelezea wanafunzi wangu. Je ne suis pas mort. Ya kwamba mie shina mwenye kufua. Je suis vivant. Niko muzima. Je vais les rencontrer là-bas. Mina to tawakutanishana nao kule. Comme je l'avais promis. Baka vile nililakaka. Amen. Amina. Et il nous rencontre aujourd'hui. Na anakutanishana na sisi leo. Amen. Amina. C'est pourquoi vous devez savoir que ce message. Kwa maana mnapaswa kujua kwamba hii ujumbe. A la puissance en elle. Ndani mwayo kuna uwezo. La puissance vivifiante. Ya kuleta uzima. Et cette puissance. Na ile uwezo ya kuleta uzima. Quand vous la recevez. Wakati unaipokea. Cela vous élève au-dessus du monde. Ile uwezo itakuinua yulu ya dunia. Et vous verrez que la personne. Na utaona ya kwamba ule mtu. Comme ces disciples qui avaient reçu la commission.
nous avons la même commission. Allez dire à mes disciples que je suis ressuscité des morts. Allez annoncer cela. Puis il a dit, allez prêcher cela et accomplissez ce miracle. Montrez que je suis vivant, que je suis ressuscité des morts. Il dit, quel message? Allez annoncer et allez montrer à mes disciples ces choses que vous avez vues, que je ne suis pas mort, mais que je suis ressuscité des morts. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Je peux venir comme je suis venu là. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il n'est pas dans la tombe. La tombe est restée vide. Et à la fin, je vous dis, allez dans la paix du Seigneur. Ça vous a aidé en quoi? Parce que quand vous êtes venu, chacun a des problèmes. Amen. Le problème, c'est de ne pas informer aux enfants de Dieu que Jésus est vivant. Mais après avoir l'air que leur Dieu est vivant, vous devez démontrer cette résurrection-là. Ah, est-ce que ça entre très bien? Amen. 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 Amina. Je n'ai jamais été d'accord avec un Jésus immobile. Je n'ai jamais été d'accord avec un Jésus qu'on me montre seulement sur la photo. Yesu, paka wa papicha. Oh non, tu vois quand il est venu. Et vous remarquerez que là où nous avons lu dans la Bible, la Bible dit que Dieu travaillait au travers de ses disciples. Et Jésus lui-même, allez-y, guérissez les malades. Amen. Il y avait des signes, des produits qu'il devait accompagner ses disciples. Amen. Amina. La Pâque ne doit pas être une concurrence des Écritures, mais la Pâque doit être une démonstration de la résurrection. Nous en avons marre d'écouter il est ressuscité, à la fin, allez dans la paix du Seigneur. Je suis venu malade, je rentre malade. Je suis venu pécheur, je rentre pécheur. Et Dieu comme ça, moi je ne crois pas. Je crois dans un Dieu capable de descendre, de prendre nos malades et les guérir. Un Dieu qui prend un pécheur, il le transforme. Amen. Amina. Bah, il est là. Apane ko pale. Ekwa pa. Pokea uwezo. Mtu ananguka. Ananguka muovu. Analamuka muovu. Wavila pale. Ça ce sont des théâtres. I ni vinyango. Amen. Amina. Tout celui qui a rencontré le Seigneur, wote ule mkanishana na Bwana, il a reçu un changement dans sa vie. Alipokea mabadiliko maisha yake. Et vous savez que le prophète dit, na mnajua kwamba nabii anasema, quand la vie descend au milieu de la mort, wakati uzima inachuka pale peko lufu, il y a une résurrection obligatoire. Panakuya ufufuko labda. Pas de négociation. Non. Quand la vie descend, wakati uzima inachuka au milieu de la mort, katikati ya lufu, il impose. Inakazisha kabisa. Pourquoi regarder? Kwa maana tazameni. Kana feve na yino. Wa
de la vie. Mujia ya uzima. Et quand la mort se rencontre avec la vie, inakutanishana na uzima, Jésus dit, faites descendre Yesu anasema mushushe ile sanduku ile. Il regarde la femme. Anamwangalia ile mwanamke. Anamshikilia buluma mwanamke ule. Il ressuscite l'enfant. Anafufula mtoto ule. Pour toi, la vie, uzima, avait rencontré la mort. Et la résurrection était obligatoire. Ilazimishiwa kabisa. Jésus n'a pas demandé à la femme. Yesu akuulize yule mwanamke. Repens-toi. Asema oh tubu mbele. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Maisha yako ulifanya dhambi kani? Il a eu de la compassion. Alimshikilia tu huruma. Il est toi. Anasema eh hey, wewe. Lève-toi. Allez, lamuka. La mort a pris fuite. Lufu ilipita mbio. Et le Dieu que nous na adorons. Huyu Mungu huyu shetu kuna kutu. Ashina mukaburi. Si nous pouvons aller à Jérusalem. Kama tunaweza kwenda ku Yerusalem. La tombe est vide. Ile kaburi ko wazi. Le diable pouvait te retenir. Shetani aliweza kumfungia. Si l'avait reçu. Kama aliwezaka. La garde Jésus dans la tombe. Kumchunga Yesu mukaburi. Mais comme il a échoué. Kuna kini vila alishinda. De garde Jésus dans la tombe. Kumchunga Yesu mukaburi. Toi aussi. Na weye pia. Le diable. Shetani. Ne te réussira jamais. Hata kuweza kamwe. Kwani tuko na budu Mungu mzima Mungu wa kweli Amen Amina Il est le tout puissant Eko mwenye enzi Regardez que quand les femmes Waliyeli wakati wanamuke Ale ce jour là Waliendaka ile siku kaburi Et même se sont dit Bobe yeba kadielezea Nani ule atatutoshia ile ribwe ile Kwani ile ribwe On l'avait roulé par beaucoup de personnes Bali tiaka pale kwa watu wengi ilikuwaka ni muhuri ya Kiroma yenye balitiaka kukulango alisema weye ukishakufwa nabakia paka mule ndani lakini balisabuaka ya kwamba kule alikuwa ndani ya ile kaburi jina yake ni jibwe ya chongo jina yake ni jibwe ya pembe ndani mwake alikuwa na ile uwezo na ile siku ile mawe mbili likutanishana moja likuya mumbacha mungine balitia moja na kusema umfungie njia apashe kutoka wakachukua hata waskari wakawatia pale pembeni hata mtu moja sikuwe kuiba hii mwili Duku Branham anasema Yesu aliweza kufufuka ile siku moya moya ile lakini vile neno ilisemea juu ya siku ya tatu alipashaka ye mwenyewe kuishi neno yake mwenyewe alibakia kwa mapenzi yake ile wakati alikuwa mule alienda makao ya lufu alienda kubiri kwani kwa gani mvuto ya tatu anahubiri kwa manasi ile haikuamini aka wakati wa Noa ile haikuamini aka ile wakati ile na anakomboa takatifu wale walikuwa mparadizo anaondoa paradizo walakini kusiku ya tatu la pierre qui était là jibwe ile likuwa pale ikaanza kutetemeka ikasema shina na uwezo ya kuzipa mbele hii jibwe Yesu bila msaada hata mkono moja ile jibwe ikaanza kutoka na baskari bale balikuwa pale bakapita mbio na unyachile ni kuelezee kama kulikuwa ribwe ile balitia mumaisha yako asubuhi ya leo ile ribwe ile inapasha kuondoka aizuru mambo yako ipate kuwa magonjwa ipate kuwa kutokuamini ipate kuwa laana ipate kuwa butaasa ipate kuwa kukosa kwa kazi minasema kupitia uwezo ya ufufuko ya ile jibwe ile ipate kuondoka maisha yako amina na baskari ya bakuelewa ni mambo karibu na pitikana nani yako naondoa ili ribwe akukuwaka mutu la pierre était au garde-fou jibwe likuwa shakukauka
mon général. Je ne peux pas résister. Je m'incline devant la loi de la résurrection. La pierre a quitté et il a ressuscité. Laissez-moi vous dire que ton Dieu n'est pas dans la tombe, mais ton Dieu est vivant. Et laisse que cette part ici puisse vous apporter un changement. Qu'est-ce qui est dans cette part? Que Dieu puisse vous étonner en bien. Que tu te poses des questions. C'est arrivé comment? La puissance de la résurrection est à l'œuvre. Amen. 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 Est-ce que le Seigneur Jésus change ta situation? Le Seigneur Jésus te donne de nouvel espoir. Il vous donne une nouvelle vie. Maisha mupia. Qu'il vous donne la guérison de ton corps malade. Uponaji ya mwili yako mgonjwa. Et laissez-moi te dire, je n'ai pas besoin de te toucher. Sina na lazima nikuguse. Si ce message est vrai, kama hii ujumbe ni ya biakweli. Si ce message est réel, kama hii ujumbe ni ya biakweli. Que tout celui qui est malade, wote ule eko mgonjwa. Tout celui qui a un problème, wote ule eko na mambo. Reçoit la solution. Apokee uponaji. Amen. 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 Nous sommes au temps de la démonstration ya maonekanisho de la montagne de Sion. Ya mulima Sayuni. Amen. 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 Qui est Dieu? Mungu ni nani? Amen. Amen. C'est celui-là ni ule qui s'est tenu sur la plateforme invisible. Ula lisimama pa uluba ya et qui a commencé à appeler les choses en existence. Na kanza kuumba bitu. Kukue nuru, kiliye la terre, kukue dunia, kiliye des animaux, kukue manyama, kiliye des arbres, kukue miti. Et je crois que celui-là, naamini na kwamba ule Mungu ule, mwikizazi hiki, nous avons reçu la plénitude, tulipokea utele, la divinité, ya Mungu. Et pourquoi nous avons vu un homme, kwamba tuliona mutu, regardez dans le dehors, anangaria mwabule, kiliye ile kirei. Pakuye kindi pale. Kene kire soit là-bas. Kindi akue pale. Et ce matin. Na asubuhi ya leo. Kiliye ila guérison. Kukue uponaji maisha yako. Kiliye ila vie. Kukue uzima maisha yako. Kiliye ila délivrance. Kukue uponaji. Kiliye ila salut. Kukue okovu. Kiliye des enfants. Kukue watoto. Kiliye des beaux mariages. Kukue mandoa. Et je crois que ce matin. Na mina kwamba asubuhi ya leo. Si tu étais lié. Ata kama ulikuwa mwenye kufungwa. Les chaînes sont brisées. Lolo inapasuka. Tu es libre. Uko huru. 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 Amen. Amina. Vous savez. Unajua. Frère Branham. Duku Branham. Parle. Anasema. Il lors de l'émancipation des noirs. Anasema wakati wa kukomboa watu weusi. Aux États-Unis. Kumarekani. Abraham Lincoln a dit à la telle date où les noirs seront libres. Bote le prophète dit Nabia nasema, ces jours-là, ceux qui étaient plus forts, ils ont monté au sommet de la montagne ya mulima, pour attendre l'élevé du soleil. Ceux qui étaient épais assez forts, ils étaient au milieu de la montagne. Ya mulima, les faibles bazaifu, étaient au pied de la montagne. Ya mulima, et quand le soleil était jua ceux qui étaient au sommet, kuchongo, ils ont crié, balilalamika, nous sommes libres. Ceux qui étaient au milieu, nous sommes libres. Ceux qui étaient au pied, nous sommes libres. Amen. Amina. Et aujourd'hui, la leo, le soleil s'est élevé. Jua ilamuka. Et cet soleil-là na ile jua ile, nous a dit ilituelezea, shalom. Salama. Que la paix soit avec salama vous. Iwe nani. Amen. Amina. C'est le grand shalom. Nasema salama. Dans cette partie-ci. Mui ukanisa hii. Shalom. Salama. Amen. Amina. Notre Dieu est réel. Mungu
wetu ni wa kweli. Mes frères et sœurs, bandugu yangu na batata yangu, vous devez savoir, munapasha kujua, que le Dieu que vous adorez, ya kwamba uyu Mungu uyu Mungu naabudu, il n'a pas un corps paralysé. Ashina na mwili ya kupoza. Le Dieu que vous adorez, Mungu uyu Mungu naabudu, il n'a jamais perdu sa puissance. Aja poteshaka uwezo yake. Le Dieu que vous adorez, Mungu uyu Mungu naabudu, il n'a jamais failli. Aja kosaka kamwe. Et mon prophète va plus loin. Nabi wangu anenda mbali zaidi. Il dit, vous ne lirez jamais nulle part. Anasema hautasomaka fashi. Que Jésus a failli. Anasema Yesu alikosa. Il n'a jamais failli. Aja kosaka. C'est pourquoi je l'ai toujours appelé. Le médecin par excellence. Munganga bora. À lui descend. Wakati anachuka, il ramène la solution. Analeta suluhisho. À lui descend. Wakati anachuka, il donne la vie. Analeta uzima. À lui descend. Wakati anachuka, il délivre ses enfants. Anakomboa batoto yake. À lui descend. Wakati anachuka, il brise les chaînes. Anavunja minyololo. À lui descend. Wakati anachuka, il bénit son père. Anabariki taifa yake. Wakati anachuka, les choses changent. Bintu binabadirika. Pourquoi? Il est le tout puissant. Yeye ni mwenye ezi. Le Dieu des armées. Mungu wa majesti. Le Dieu de gloire. Bwana wa utukufu. C'est pourquoi dans cette Pâque, kwa maana mwi wa Pasaka, mangez le pain. Mukurieni mukate. Dans cette Pâque, mwi Pasaka, recevez la joie. Mupoke furaha. Dans cette Pâque, mwi Pasaka, soyez restauré. Murudishiwe. Dans cette Pâque, mwi Pasaka, soyez guéri. Mupake uponaji. Dans cette Pâque, mwi Pasaka, reçois ton argent. Pokea franga yako. Dans cette Pâque, mwi Pasaka, reçois ton mariage. Pokea ndoa yako. Dans cette Pâque, mwi Pasaka, reçois ta promotion. Pokea cheo yako. Dans cette Pâque, mwi Pasaka, reçois